Merci de me recevoir chez vous. Vous l'avez appris, Capello a été exfiltré de la police judiciaire où il était en détention préventive depuis le 20 décembre dernier pour être amené à la contre-gérance communément appelée B2. Les faits se sont passés hier soir lorsque les agents de la police judiciaire avaient déjà regagné leur domicile. Tout s'est passé en tapinois parce que c'est une affaire d'État. Et comme vous pouvez aisément le deviner, sans besoin de passer un concours, les ordres viennent du sommet de l'État, notamment d'Ali Bongo et de son ami, son acolyte, son compagnon de l'immoralité, Hervé Patrick Opianga, qui ont déjà été cités dans cette affaire. Et Ali Bongo et ses complices voudraient donc brouiller les pistes parce que ce scandale va coûter cher à ces personnes en termes de privilèges. C'est un scandale qui peut faire tomber tout l'édifice dictatorial des Bongo et il fallait donc prendre le taureau par les cornes. Comme je l'ai dit dans mon premier live du matin annonçant l'exfiltration de Capello, la contre-gérance qu'on appelle communément B2 n'est pas habilitée à mener une telle enquête. Il s'agit d'un délit de droit commun. C'est la police judiciaire qui est censée mener l'enquête. La police judiciaire a en son sein un département chargé des mœurs et c'est ce département depuis des années qui s'est souvent occupé des dossiers. Ce n'est pas à la contre-gérance de mener une telle enquête. Je vais vous lire un message qui
qui a été rédigé tout à l'heure par un agent du B2 qui s'insurge contre cette manière de faire. C'est important que vous sachiez. On tait son nom par discrétion, sinon il va être guillotiné. Voilà ce que dit cet agent de B2, haut responsable de la contre-ingérence. Il dit ceci. Avant de dire quelque chose sur la raison évoquée pour justifier le transfert, je vais vous lire ce message. Il y avait quelqu'un qui avait tenté d'appeler tout à l'heure. Ce n'est pas la peine d'appeler, je suis en live. Donc, voilà ce que dit cet agent des B2. Avant de dire quelque chose sur la raison évoquée pour justifier le transfert des Capello de la PJ à la contre-gérance, qu'on appelle communément DGCisme, j'aimerais d'abord préciser que l'agence de renseignement qu'on appelle couramment B2 a deux missions principales. Un, militaire. Renseignement militaire exécuté par la direction de la sécurité militaire en abrégé SM. Deux, contre-ingérance. C'est une mission basée sur les activités clandestines et qui comporte deux volets. Un volet contre-ingérence intérieure, les renseignements intérieurs, un autre volet porté vers l'extérieur, les contre-ingérences extérieures. Les agents en service dans ces services mènent en réalité une mission de contre-espionnage. En quoi une affaire qui tombe sous le coup du droit commun pourrait-elle revêtir des éléments d'ingérence ou de contre-ingérence qui puissent justifier une action des services spéciaux gabonais? Pour ma part, je vois deux hypothèses. 1. Capello aurait peut-être agi en bande organisée et certains légumes sont peut-être tapis au sommet de l'État, d'où les craintes de voir le pouvoir s'écrouler en cas de déballage. Ce raisonnement ne m'empêche pas de poser une question. Où est la garantie que l'incarcération de Capello au B2 ne va pas causer de fuite? 2. Il se pourrait aussi que les limiers du B2 aient découvert une cinquième colonne au sein des unités de la PJ dont l'action sert les intérêts d'autres lobbies et non ceux du pouvoir en place. Dans tous les cas, cet épisode des transferts de détenus crée de la suspicion et ne présage pas d'une issue qui garantisse l'impartialité. On croise les doigts. C'est un responsable du B2 qui envoie ce message, qui explique clairement que ce n'est pas au B2 de mener cette enquête parce que ce n'est pas dans ses missions. Le B2, c'est le renseignement militaire. Donc, on se trouve devant une entourloupette orchestrée par le pouvoir d'Ali Bongo qui a peur justement que l'édifice s'écroule. C'est une grosse affaire. Vous avez vu, les journaux ont titré l'un des plus grands scandales au monde, dans le monde du sport. Donc, Ali Bongo et ses amis sont conscients qu'ils peuvent tomber. Ils peuvent tomber si Capello ouvre sa bouche. Et il avait déjà commencé à parler. Les personnes qui avaient été envoyées à la PJ, les victimes, avaient déjà commencé à citer les noms. Et je vous avais dit qu'Ali Bongo est impliqué au plus haut point dans cette affaire-là. Il est trempé jusqu'au cou. Parce que lui aussi, il a bénéficié des services physiologiques de ces adolescents qui lui étaient livrés par ses sbires. Donc Ali Bongo a peur. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de continuer de combattre, de ne pas taire cette affaire, parce que nous tenons Ali Bongo par les couilles. Nous devons le tenir par les couilles pour qu'il ne bouge pas. Nous devons le tenir par les couilles, il ne faut pas laisser. Moi, je suis surpris de voir les Gabonais qui agissent souvent par émotion. Là, les Gabonais ont parlé pendant un temps et puis c'est fini. On ne peut pas taire une affaire comme ça. Il faut continuer de faire du tapage pour qu'à l'international, encore. Et si on tait, même les instances internationales qui nous suivent vont dire, bon, ils sont passés à autre chose. Donc, il faut une pression. Qu'on le veuille ou pas, ce sont des Gabonais qui ont été victimes. Ce sont nos enfants qui ont été victimes de ça. Donc, on ne doit pas taire cette affaire. Il faut continuer la pression. Nous avons l'occasion de tenir Ali Bongo par les couilles. Et ils vont se régler les comptes parce qu'ils vont se livrer. Opianga, vous connaissez, Opianga n'a pas
Opianga n'a pas sa langue dans la poche. Il va parler, il sait que s'il est cité, il va balancer Ali Bongo. Il a même des vidéos d'Ali Bongo. Vous savez qu'Opianga a déjà fait la prison. Il a fait la prison parce qu'il y a des choses qu'ils ont partagées et il a des preuves de ça. Donc il faut pousser ces gens à l'erreur. Il faut casser. Il faut que le mois de janvier, qui commence la semaine prochaine, soit un mois pour libérer le pays de ses oripeaux. Il faut plus qu'on laisse. C'est une occasion de les tenir par les couilles. Voilà. Et donc, il ne faut pas que la mobilisation faiblisse. Sur les réseaux sociaux, on doit continuer à faire du ramdam là-dessus. Or, je remarque tout simplement que les Gabonais agissent par émotion. Ils agissent par émotion. Et passer l'émotion, c'est fini, on oublie. Et chaque fois qu'il y aura un autre scandale, ou ils vont eux-mêmes créer un scandale pour taire ça. Ce n'est pas normal. Ça signifie que nous avons aussi la mémoire courte. Donc il faut continuer la pression. Il faut continuer la pression. Je vous assure que si on arrive à... Parce que ce qui va se passer au B2, c'est quoi? C'est que soit ils vont éliminer Capello par empoisonnement, soit ils vont falsifier les procès-verbaux de son audition pour ne pas accuser les puissants de ce pays, pour accuser même d'autres personnes. Et vous-même, vous n'avez pas confiance aux autorités. Déjà, le procureur est silencieux, c'est curieux. Depuis que cette affaire a commencé, le procureur de Libreville est motus et bouche cousue. Comme lui aussi, c'est un pervers de la République. Il est motus et bouche cousue. Voilà. Donc, il faut qu'on continue. Il faut qu'on continue à faire des pressions. Ça, c'est une affaire grave. On ne doit pas laisser ça. On ne doit pas laisser cette affaire-là. Je vous ai lu le message de cet agent. Et vous avez vu qu'il y a un passage où il dit, on a découvert certainement qu'à la PJ, il y a un lobby qui ne travaille pas pour le pouvoir. Évidemment, je vous ai dit dans mon premier live que, naturellement, le pouvoir en place n'a pas confiance à la PJ. Parce que là-bas, ce n'est pas forcément les Bateke qui sont placés. Or, au B2, la plupart, ce sont des Bateke, des gens que le pouvoir maîtrise. Donc, ils aimeraient avoir des gens comme ça. Donc, il faut continuer à mettre la pression, parce que Ali Bongo veut embrouiller les gens, il veut brouiller les pistes, il ne veut pas que ça arrive jusqu'à son niveau. C'est normal. J'ai l'habitude de vous dire que le sorcier qui égorge les autres n'aime pas que le couteau passe près de son cou. Le sorcier qui égorge les autres n'aime pas que le couteau passe près de son cou. L'information continue sur Facebook et YouTube. Yeah.
Oh.